Aux États-Unis, au moins 4 policiers ont été abattus ce jeudi soir à Dallas en marge d'un rassemblement organisé pour dénoncer les violences policières. 7 autres policiers ont été blessés, tout comme un civil. D'après les autorités locales, 2 suspects ont été arrêtés. À ce stade, on ignore précisément leur mobile. La police dit craindre que des bombes aient été placées. C'est en tout cas ce qu'aurait affirmé un des suspects aux enquêteurs. Les tireurs étaient apparemment placés en hauteur et ont ainsi visé les forces de l'ordre qui encadraient la manifestation. Conséquence immédiate, les responsables de l'aviation civile ont décidé de restreindre les vols au-dessus de la ville de Dallas. Seuls les vols de secours sont autorisés pour le moment. Ce rassemblement à Dallas était organisé pour protester après la mort de 2 hommes noirs abattus par la police ces derniers jours. Plusieurs manifestations similaires avaient lieu dans tout le pays.